in pista dagli Stati Uniti d'America. L'ami allemand m'a dit qu'il voulait bien parier sur une petite remontée de Yasmin Siraj. Elle est 13e après le programme court, mais elle a le talent artistique et on l'espère la fiabilité technique retrouvée pour s'insérer dans le top 10. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une telle forme chez les patineurs américains sur ce championnat du monde junior qu'il ne faudrait pas parier contre Alban, finalement. Quel dommage ce triple salco non déclenché parce que la remontée fantastique annoncée était en train de se produire pour Yasmin Siraj, l'américaine. Vous l'avez constaté évidemment, elle est gauchère, elle a une vraie élégance cette patineuse. Je disais qu'elle était virtuose, il n'y a pas qu'un piano sous les doigts qu'elle l'est. Oui, alors on va parler de l'artistique un tout petit peu après, là on analyse le triple flip
à l'image. C'est vrai que donc l'erreur sur le salco et puis un petit retournement sur le triple boucle piqué aussi. Mais c'est vrai qu'on donc, si on revient sur la partie artistique, c'est vrai qu'elle ressent bien la musique et forcément ça va de pair avec avec son sa double carrière de pianiste et c'est essentiel. De virtuose, ça fait partie du métier de patineur, enfin pour moi à mon sens vraiment de, alors pas forcément de jouer de la musique à un tel niveau parce que c'est très compliqué, mais au moins d'écouter beaucoup de musique, de se cultiver, d'écouter de la musique, de regarder du théâtre, d'aller à l'opéra, tout ça, ça fait partie du métier, c'est comme ça qu'on développe la fibre artistique, qu'on se nourrit. Et finalement il y a pas mal de patineurs qui oublient cet aspect qui est pourtant essentiel. Et en tout cas ça fait une vraie différence. On voit que les grands patineurs qui deviennent des grands artistes ont eu cette démarche. Et en tout cas, on le repère assez vite, ceux qui aiment la musique, ceux qui sont des vrais mélomanes et ceux qui ne le sont pas et qui patinent sur ce qu'on leur propose. Alors, elle a mené cette carrière de front depuis très longtemps parce qu'elle a commencé le patinage à 2 ans. Ça fait à peine marcher qu'elle a commencé, donc vraiment... Ça fait 14 ans qu'elle patine, ça doit faire à peu près autant qu'elle fait du piano et elle mène, vous le disiez, cette double carrière, double casquette qui lui apporte beaucoup. Et c'est vraiment dommage cette chute sur le triple flip hier parce qu'elle aurait pu, dans les 10 premiers, jouer quelque chose vu la densité qui existe dans ces places-là. Peut-être qu'un podium serait été un tout petit peu juste, quoique, mais... Oui. Malheureusement, ce triple tropli salco non déclenché et puis son programme court donc vont l'empêcher de viser très haut. Je suis en train de calculer pour tout vous dire. Elle avait plus de 6 points de retard sur le podium. Oui, et puis là, il y a le passage beaucoup trop tôt dans la compétition qui va lui être très très défavorable. On sait que les juges n'aiment pas trop s'enflammer, faire trop monter les notes en début de passage. Il y a plus d'une quinzaine de patineuses encore à passer, donc évidemment les notes ne risquent pas de s'envoler, mais c'est vraiment dommage. Voilà, elle a perdu beaucoup sur cette chute sur le triple flip hier sur son Daphnis et Chloé. Et sur la musique de 7 ans au Tibet de John Williams, eh bien elle a fait montre de ses qualités non seulement artistiques mais même techniques. Parce qu'elle en a, elle est en train de retrouver toute sa superbe Yasmine Siraj et de recommencer son histoire là où elle l'avait laissé avec sa jambe cassée, ses multiples blessures. Elle est en tête, presque 10 points d'avance sur Jenny Saarinen, mais à voir Samu, elle a bien évidemment compris qu'elle ne reprendra pas tant de patineuses que cela. Thank you.